Bonjour tout le monde et bienvenue dans cet nouvel épisode de mon chapitre 2 de mon acte 2 sur Stonehearth. Donc j'espère que le premier épisode vous a plu. On va essayer de faire en sorte de continuer assez rapidement, on va dire, à évoluer. Coupe-moi ces deux arbres là. Donc au premier épisode, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait construit le dortoir principal. Sur lequel on va, voilà, et dans lequel il y a 8 petits lits, et après on va faire la maison commune des constructions. Je verrai juste par la suite. Voilà, vous voyez, j'ai demandé à déplacer les différentes choses. Par contre, pourquoi? Pourquoi j'ai un trou là? Ah. Donc on va essayer de faire après par la suite, c'est la maison des métiers quand ils auront déplacé le point de départ, on va dire. On accélère un peu. Alors, dans les constructions. On va continuer à le faire évoluer. Au pire, je vais faire une table. Je vais faire deux tables comme ça et quatre chaises. Non. On va annuler les. Order. Voilà. Est-ce que maintenant il peut faire des choses plus intéressantes? Potter Cutter, ça serait bien qu'il. La cuillère du cuistot, ça serait pas mal. Alors, on va leur dire de ramasser ça et ça. Ça aussi. Après, la zone de stockage, elle est un peu petite. Bien si. Ah, je crois que l'ordre de déplacement il a bugué. Voilà, comme ça on va augmenter le stockage. Ouais, vous voyez, le stockage il est un peu buggy. Voilà. Et donc là on va pouvoir voir pour faire une grande maison. Alors, on va partir. On va faire un sol plus marron. Pas mal en longueur. On va faire comme ça. Est-ce que je fais un étage? Non. Non, non, non. Le toit, je vais faire la couleur comme d'habitude. Sauf que je vais verser les. Tac. C'est surtout des portes qu'on va mettre, des doubles portes. Voilà, je veux qu'il y ait pas mal d'accès.
Et on va mettre des larges fenêtres. Je peux mettre quoi comme ça? Ouais, pas mal comme ça. Allez, c'est parti. Donc il me faut que je fasse 6 grandes fenêtres, 3 grandes portes et 2. Alors on va aller voir un autre. On va ralentir un peu. Donc il m'en faut 2 comme ça. Il me faut 2. 1, 2, 3 et 6 comme ça. Un 6, ouais, on dirait. Yes! Il y en a un nouveau, cette lurse. Cool. Par contre, j'ai pas vu qui avait monté de niveau. Alors. Des gobelins. Des gobelins, des gobelins. À l'attaque! Allez là-bas, les défenses. Je crois que je vais mettre une troisième personne en défense, justement. Sprint, body, non, il est pas. Ah non, j'ai plus beaucoup. C'est bon. Bon, mais ils ont été ratatinés, hein? Oh mince. Oh bah. Il dort, lui. Bon, on a pas mal de bois. Non, que du bois. Alors, on va essayer d'enlever. Voilà. À l'attaque! Yes! Ouais! C'est bon, elle est évolue. Récolter. Récupère-moi cette pierre-là. Oh, c'est quoi ça? D'accord.
Bon, on a un joyeux petit ennemi, quoi. Pourtant, qu'il reste comme ça, c'est pas gênant. Est-ce que mon cuistot a été fait? Farmer and spoons. Et ma spoon, elle est où? Oh, ma spoon, elle était faite. Ok, et donc mystère numéro 8. Change info. Ah non. Change job. Et toi, tu vas te remettre. Ah, comme ça, on a notre cuistot. Et donc, le cuistot, on va pouvoir lui donner les ordres. Bah, déjà de faire ça. Quoique non, c'est pas le truc. Au départ, c'est ça qu'il faut. Parce que c'est surtout de la soupe que je fais au départ. Allez, on va accélérer un peu. Alors, normalement... Dans les objets à poser, je vais avoir Luc. Tac. Et donc on va lui dire qu'il en maintient 5. J'aurais dû attendre. Ah, ça, je peux ramasser. Je prends que la quantité de bois. Oh bah c'est bien, il est redevenu niveau 1. Manque de cuir pour les faire. Il a les compétences, mais il sait pas les faire. Ok. Et si je contacte le. Lui, il fait des. Ça va délier les coffres pour les jobs, justement à l'intérieur, pour qu'il s'arrête dedans.
Alors. C'est des loups? Cool. On va voir, accélère un peu, hein. Faut que je pose la table. Au fait, j'avais fait la table tout à l'heure, mais j'ai plus de table. J'ai ça, mais j'ai plus de table. Bon, toi, tu es peut-être capable de nous faire une table. Table pour un. Il nous fait 4 chaises. Au pire, les autres chaises, je les revendrai. Que j'essaie d'agrandir la place. Stably, edit. Il me fait peur le troll là-bas. Et on va déplacer les... Ok. On va installer les coffres. Oula! C'est quoi ça? D'accord. Donc lui, il est comment lui? Il maintient 5. Et donc là, je veux que...
Et là... Ah non, dans celui-là, je veux que... Tout ce qui est là. Et puis ceux-là, faut les vider à force. On va les dégager. Ah bah voilà, je peux lui vendre des choses. On peut lui vendre ça, on peut lui vendre ça, on peut lui vendre ça. Une table et quatre chaises, on va l'écarter. La nourriture, on va l'écarter. Ok. Et donc, je veux poser ça. Et les quatre chaises. Tac. Voilà. Allez. Oh putain, pas grand-chose. Ça tennis en fonction. Où ça? D'accord. Il va mourir, il va mourir. Sont malades. De malade. Encore du bois? Ou non, je crois que j'ai plus de bois. Bah si, il y a celui-là. Ah, c'est marqué comme un trésor. D'accord. Bon bah ramasse. Ok, bon alors j'ai perdu un personnage, ce qui est vraiment plutôt embêtant.
Ok, bon, bah les amis, je vais vous laisser sur cette partie. On aura fait pas mal de petits trucs. Bon, normalement, c'était pas prévu qu'on attaque tout de suite les zombies. Pas les zombies, mais les trolls qui étaient là-bas. C'était pas à l'ordre du jour, mais bon, c'est pas grave. Donc, notre deuxième bâtiment a bientôt fini. Ils sont en train de récolter. Je pensais que le bois, donc je pense que le jeu il doit bugger un peu de temps en temps, parce que voyez, tout à l'heure le bois était passé en invisible, on va dire, hors stock. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi j'ai des choses qui sont. Sais pas comment débarrasser de ça en fait. Enfin bref. Allez, je vous retrouve donc dans le prochain épisode. J'espère que celui-ci vous aura plu. Moi, c'est toujours avec un grand plaisir que je vous retrouve pour Stonehearth. Et bah, c'est bien, on peut s'aller remonter en niveau. Et donc, bah, je vous dis au prochain épisode. N'oubliez pas de partager un maximum si vous aimez la série. Ça fait toujours plaisir de la voir sur les autres. Partager sur d'autres médias. Que sur YouTube. Allez, sur ce, je vous laisse et à bientôt. Bye bye.